Mais est-ce que c'est pas bien vraiment de t'as pas ouais, non, clairement pas. Non, clairement pas, parce qu'il a fait quand même une dinguerie. Mais 3-0 quand même. Ouais. Hein ? Hein ? Lucina, c'est ce que j'ai vu. Ah. On vous montre ça vite fait, les gars. On peut pas laisser Twitter ne pas voir ça. En tout cas, on est parti sur la grande finale directement. Maskino contre Traver. Traver en loser bracket qui va tranquillement attendre que son adversaire avance. Mais malheureusement, on va lui donner tout le centre du stage. Même si on va le récupérer derrière, c'est quand même. C'est directement nul en vrai. Et t'as pas le choix, c'est le chevalier de Zelda, voilà. T'es obligé de le respecter. Qu'est-ce que tu veux faire? Le shield, te prendre un grab et prendre 35%. Moi, je suis pas chaud. Pas sûr, ouais, pas sûr. Bien joué, petit jab, 16% pour Draver, malheureusement on va se prendre ce nerf, on va réussir quand même à wall un peu avec ses airs et ses nerfs très bien fait de sa part. Faut aller trouver quelque chose de plus juicy ici avec un upper, bien joué. On est à pourcentage où on peut se faire tuer. Full up avec le fer, bien joué de la part de Draver. En plus on va réussir à trouver ce boomerang et le fer derrière, malheureusement ça ne tuera toujours pas. On est à 19% et on est en train de mettre un classique à Maski qui struggle à récupérer le centre et qui n'arrive pas à retrouver ses bonnes phases. Tâche attaque par contre, faut faire attention parce qu'en winner c'était tout le temps ça, c'était tout le temps Draver qui mettait une bonne grosse phase qui n'arrivait pas à tuer Naski. Naski qui remontait tranquille. Ouais, c'est ça. Et mais par contre on est quand même sur un autre instru que la game 1 du premier BO où oui. Maskino a juste foudroyé Draver sur sa première stock et qu'au final Draver gagne la game. Ouais, là c'est vrai que c'est différent. On a d'abord Draver qui a le lead. Alors jusque là rien de surprenant parce que c'est pas la première fois qu'on voit avoir le lead dans le set ni dans le matchup. Mais par contre ouais, il s'agirait d'arriver à prendre cette stock maintenant parce que comme tu le disais, ouais. Là on va bientôt monter dans les 180 et entre temps Maskino aura peut-être pris une stock. On n'a pas envie de foncer, on n'a pas envie de mettre de trop grosses commits du côté de Draver, mais là il va falloir hein, parce que son shield est petit le grave malheureusement. Oh, il est trop stylé. Il est trop fort gros. Il a déchiré la robe avec le grappin. Par contre c'est dans Tilt-Upper, ça va se faire avoir. Du coup on va partir sur une stock d'avance quand même pour Draver malgré les 83% en plus faire aller. Aïe aïe aïe, up B. Ça a été trouvé malheureusement pas le strong hit hein. On va pouvoir survivre du côté de Draver et essayer de placer un peu des projectiles, de gratter un peu ses poussons. Ouais, alors que là on touche le jabin et qu'on a rien eu derrière du coup Natsuki, mais ce n'est que partie remise parce que là on est encore en position d'avantage. Oh, c'est quoi ça? Je pense que c'était un B River, ça y est j'ai ma réponse, merci à moi. Et donc du coup Draver qui rechoppe le centre du stage, on va prendre ce down tilt, on est en ledge trap, c'est un peu chiant comme situation. On va prendre ce down tilt, ça oh, c'est bien esquivé, mais pour nous. Oh non, c'est dur Naski. Ah ouais non. Maskino qui se SD. Et bien écoutez, je crois que. Hey. On va, ouais, pouvoir, on va pouvoir un peu avancer du côté de Draver, en tout cas pour l'instant c'est ce qu'il a envie de montrer hein. C'est ce qu'il n'a pas envie de se faire avoir sa stock ici, 141%, il continue de survivre. Il y a une bonne run ici pour pouvoir reprendre un peu le centre ici. On va réussir à toucher ce up tilt et malheureusement le combo derrière va pas suffire, enfin va pas toucher, va pas avoir de suite, 153% certes. Aïe 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 aïe, on a mal vu le ledge trap et du coup on va se prendre ce chevalier. Ouais. Je me demande s'il a utilisé que son taser ou il a juste drop au mauvais moment. Je pense qu'il a juste drop au mauvais moment. Je crois que c'est son saut et tout, donc niveau timing d'invincibilité, je pense pas que c'est ça. Enfin, juste qu'il a drop. Ok. Et de toute façon on est sur une game qui est quand même bien à l'avance de Draver. On va avoir beaucoup de mal hein, pour Maskino de pouvoir remonter cette game, je suis pas sûr du tout. Et du coup pas de 3-0 je pense. En tout cas pour l'instant c'est pas dit hein. Ouais, parce que ça reste toujours, Maskino en vrai. On reste Maskino. Moi perso, j'y crois encore. En vrai de vrai, ah regarde ouais ça. Ah ouais, regarde ça. Ah ouais. Oh il est en train de me faire mentir sale. Regarde ça. Oh il est en train de me faire mentir sale. Non, c'est pas possible, c'est pas possible mon reste, pas possible. Ça méritait d'être sweet spot juste pour me donner raison tu vois. Genre pas parce que... Il veut pas analyser la game, il veut pas dire non, c'est avoir raison, c'est tout. Aïe aïe aïe, Draver qui avait trouvé la situation très très bien. Malheureusement on n'a pas réussi à combo là dessus. Mais allez, faut aller tuer, 144% en ledge trap. Oui, le EPR ça touche, ça ne tuera toujours pas. Et on va tranquillement aller choper ce fer sur le deuxième saut. Bien fait de la part de Draver et du coup une game d'avance. Ouais, pour une game maîtrise. On est à 1-0, on fait mentir les casters, on se met bien du côté de Draver, moi j'aime bien. Bon, la petite SD qui a rien arrangé, mais toujours est-il que sans, même sans ça, Draver a montré un bon niveau de jeu, il a fait très peu d'erreurs, il a bien profité de ses phases. Ses phases. Oh bon. Bon.
Et du coup 1-0, et du coup malheureusement les Kamas ne seront pas pour tout de suite. Nest qu'il va falloir se réveiller. Si on a envie, on a retardé de au moins 5 minutes la question. Aïe, terrible. Là tu penses que c'est encore une fois 3-1 là? Ça c'est Naskino qui roule sur le tournoi. Non, je suis pas sûr. Driver, il en a des choses à dire. Sur le même, si, parce que ça va être le même schéma. Genre, on laisse une game pour s'amuser pour la jeunesse. Et ensuite, on récupère l'ordre. Et oui, bien sûr. Et en tout cas, c'est la signature de Naskino qui est en train de se placer tranquillement avec ce down throw. Et directement le der. La bonne phase pour mettre un peu de pourcent. Malheureusement, on va pas trouver la suite. Et du coup, on va se faire reverse là-dessus. Par contre, encore une fois, der. Et encore une ffois, un lightning kick très bien fait de la part de Naskino. On va pouvoir remonter tranquillement. On est déjà à 4. 90 du côté, mais non! Oh là là! Là tu vois, c'est bon, genre, on s'est bien amusé, mais maintenant, prenez plus de pied. Voilà, c'est ça. Premier stock qui est pris par Naskino, tout ça en concédant à peine 40%. Okay. Et on continue de gratter, de mettre les talons entre les omoplates dessus, une ligne qui mettre des petits neutrales, de gratter les pourcents bien, ce qui n'est pas par de travers. Là, on prend pas ce petit sort, qui peut être un peu terrible. Oui, on a envie de chercher un peu de trade et une situation très offensive hein, de la part de Naskino. Ça lui réussit, on le sait. Mais là, malheureusement, ça va lui malheureusement lui enlever sa stock. Et du coup, il va falloir. Mais t'as vu comment il approche? T'as vu comment il fait qu'avancer? Il n'y a plus de chevalier, il n'y a plus rien. Il a envie de le découdre, il a envie de le fumer en fait. Il a plus envie de lui laisser une seule seconde. Et pourtant, Draver, il l'entend pas de cette oreille. Il est en train de lui placer une phase de fou furieux. Malheureusement, on va se faire avoir par ce lightning kick. Du coup, la situation qui est quand même bien pour Naskino. Très bon grab. On va pouvoir repousser avec le save tranquillement. Remettre un peu de pression sur ce ledge. Trap up smash, ça va tuer. Oh là là. On est un peu trop agressif, un peu trop présomptueux là du côté de Draver avec ce nerf drifting. Ouais. Au milieu, enfin sur une Zelda qui peut tout simplement être flash et récupérer la stock quand même assez tôt, ce coup est assez fort et en Yongin c'est pas très lourd donc ouais. Il a pas fait bélec comme on dit. Il a pas fait bélec là-dessus et ça commence à être un peu compliqué parce que Naskino n'approche plus. Ouais. Tout à l'heure il avait un gameplay très offensif et maintenant il a envie de fermer le jeu au possible. Regarde son petit chevalier parce qu'il sait que c'est un bouclier, il sait qu'il va tranquillement pouvoir se réinstaller sur cette Pokéball. C'est exactement ce qu'il faut et c'est exactement ce qu'il a besoin sur ce match-up, ne pas jouer. En tout cas, pour l'instant c'est très bien fait et du coup. De toute façon, il a pas besoin de jouer, c'est bien que c'est lui qui a lui. Et qu'il a les outils pour ne pas se prendre la cuisine en fait. Ouais. En effet, ouais. Entre son neutral et son down B, c'est très. Entre son neutral B et son down B, ouais, pardon. Oh là là, le jab, qui aurait pu amener à quelque chose. Certes, il campait, il attendait, mais une fois qu'il touche, il les a concrétisés avant. Ouais, clairement. Le but, c'est de. On finit ça maintenant. Ouais, le but c'est d'avoir des bonnes conversions et Naskino on sait qu'il en a des très bonnes. Par contre la punition elle se fait pas attendre, est-il bien joué de la part de Naski. On va pouvoir trouver tranquillement ce side B et malheureusement le der qui va être loupé ici. Draver, c'est très compliqué, on a une stock de retard et on est dans la situation inverse de la game précédente. Down smash quand même, ça va toucher. On va pouvoir replacer la phase de l'edge trap, aller pour Draver, peut-être une stock de plus. Allez, faut aller trouver, en tout cas il faut beaucoup batailler pour aller choper cette stock. C'est difficile face à un Naskino très très carré et très bien placé qui n'a pas besoin de jouer. Encore une fois comme on le disait, il va sous-tipou, il va réussir. Trouver cette tech chase. Oh, oh là là. Mais waouh! Mais wesh! Oh, mais il est dans le cerveau de son adversaire, c'est incroyable! C'est agaçant. C'est agaçant, frère! Il savait très bien quelle option il allait prendre en tech chase. Et il s'est dit, moi je sais ce qui punit et qui en plus se prend pas la gallop attack si jamais, tu vois. Ah ouais! Il s'est juste mis à côté de la plateforme et quasi tout couvert à mon avis en faisant ça, faisant le CF smash sur la plate. Clairement. Le petit backdash avant pour pas se prendre de coups si jamais Draver normal gale up est fait option offensive. Hop. Et c'est ce qui se passe. Mais c'est ça, en fait à partir du moment où tu arrives à read le fait qu'il va pas faire une option directe, tu peux avoir à peu près le temps de full up air dodge pour aller sur la plateforme. Et c'est sur ça Naskino qu'il est génial parce que les reads qu'il a, c'est soit il pense qu'il va se relever direct, du coup il va faire un grand full up d'air, il va trouver une phase là-dessus. Soit il va nous montrer qu'en fait en tech chase sur la plateforme il n'y a rien que ça, genre il a d'autres options, il a d'autres réponses à cette question que Draver lui pose. C'est la question qu'est-ce que je vais faire selon toi. Ouais. Et Naskino lui dit bah écoute, ça m'intéresse pas vraiment, moi je vais faire ça. Et puis, moi dans tous les cas je fais ça, on verra toi, force à toi en tout cas. Pour l'instant on est parti du coup sur une troisième game. On a décidé de partir sur Smashville, map beaucoup plus petite, qui va permettre du coup à Draver mettre plus de pression. En tout cas pour l'instant Smashville. Il a pris Smashville frère. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on a le chevalier qui va mettre énormément de pression. Bah, parce qu'il fait la moitié du stage. Deux tiers du stage, la moitié, c'est même pas abusé de dire ça. Ouais, vraiment.
C'est vrai que c'est fort, mais en tout cas pour l'instant on va jouer un peu au corps à corps et jouer les situations où il peut jouer out of shield. Ça va peut-être lui permettre de jouer un peu mieux, enfin de trouver des bonnes phases d'avantage pour l'instant. Et c'est Naskino qui est en train de récupérer le centre et récupérer la bonne phase. Par contre, ce chevalier, il a bien été relâché de la part de Naskino qui est dans le tilt. Malheureusement, ça ne passera pas. La chatte, on va rester sur le shield et ce Neruz Love qui va remettre de là. Oh là 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 là, c'est dommage. Ouais, je sais même pas pourquoi ça a pas touché, mais c'est un peu dommage. Et Naskino qui est sur son rythme offensif, je dirais. Là, il est en train d'agresser son shield, il se fait des shining, il se met downtill, il jab 1, il back dash, il fait un truc. Il met ça hors spot fer et il y a le chevalier qui vient finir. T'inquiète, mon gars. Oh, regardez le coup puissant. Non, vraiment, je connaissais mon gars. Oh là là, le boost, il arrive à tout trouver. Et du coup, Naskino qui est encore en train de rouler un peu sur la game. Malheureusement, il va se faire repousser ici. Attention à la grenade. Ah oui, c'est bien ça. Bon, mine tout faire, ça a été trouvé. Et les situations qui est de nouveau égales, malgré tout, j'ai un peu struggle quand j'ai vu ce. Putain, ça m'a tué, frère! Oh, yo, 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 yo. Moi aussi j'ai bégayé de lui. Il est arrivé, il est arrivé, il a juste fait tiens, 25%. Ça tue, frère! C'est une dinguerie! Et pour l'instant, en tout cas, Draver qui peine sur ce ledge à trouver de l'espace, à malheureusement respirer. Parce que oui, on le disait, Smash Bros, ça fait trop de bien à Zelda quand elle est en ledge trap, quand elle est en situation d'avantage, parce que c'est tellement dur pour son adversaire de remonter! Ouais, et on va être présomptueux avec ce shield grab sur le F-Smash de Zelda qui est un coup dur à punir. C'est pas si laggy que ça. Ouais. Et on se fait logiquement punir par un shield à faire dans sa face. Ouais. Et là, directement, on va se prendre des petits chevaliers, des petits neutrales, des petits trucs. C'est très compliqué là pour Draver, on est déjà en retard et Smashville ça ne permettra pas de poser un jeu s'il a besoin de poser un jeu par exemple. Bah ouais, il a vraiment besoin là, en tout cas il a besoin d'ouvrir. Malheureusement il va se faire avoir par cette dash attack et du coup le jeu de Zelda va pouvoir se replacer, va pouvoir se resituer dans le style dash attack. Bien joué, on va replacer encore une fois la situation où Naskino est en train de rouler sur la game. Up et bien sûr, ça va se faire fumer, bien sûr, le downer il est là. Spike tournament ici, Naskino. Foya, très propre. Non, c'est... Non, ouais. En train de rouler sur le tournoi, comme tu le disais, Rivers 3F. Il est en détente, là. Il a les mains dans les poches, il est en train de se mordre les lèvres. Oh, il se met tellement bien, alors qu'en face, on a Draver. C'est comme ça, on a quand même Draver, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand même. Il vient de casser la gueule à Tomberry 3R. Et là, il est en train de se faire avoir sur des... Juste trop, en fait. On respire plus. C'est difficile. Naskino 2-1 est en train de... finir ce tournoi, en tout cas potentiellement la game. Un tel fossé entre Naskino et le reste du top lyonnais. Ou est-ce que Draver va nous montrer que lui aussi il en a dans le ventre, bien sûr, dans les avant-bras, dans les pouces. Il sait tenir sa manette et il est capable d'overcome le niveau de Naskino. Ça, en tout cas on espère mais tous du côté du cœur de Draver, en tout cas pour essayer de récupérer la win sur Naski ici, grande finale du Spike Tournament, et c'est difficile de trouver les ouvertures. On va passer sur PS2 de nouveau, on va essayer de jouer un peu plus comme le début game sur de la patience, sur des projectiles. Il faut faire attention de ne pas se faire avoir sur de grosses phases d'avantage dont Naskino a le secret. Ouais, exactement. Et pour le moment, on se prend des coups par-ci par-là et on trouve pas grand-chose du côté de Draver. Ça commence pas super bien. Ok. Qui en patiente, on arrive à trouver enfin un boomerang. Malheureusement, ça va se faire repousser par le Night Rouge. Mais gars, c'est difficile. Malgré tout, on arrive quand même à s'en sortir. Et la situation est de nouveau du côté de Draver plutôt. En tout cas, cette dash attack, elle va pas être punie. Donc on va pouvoir jouer un peu autour de son adversaire. Malheureusement, on va se faire avoir par ce EP. Du coup, c'est difficile. On est en situation de ledge trap où ça peut faire mal. F-Smash était à deux doigts à toucher. Mais non, on va s'enfuir. On va se faufiler entre ces coups de magie. Ah, par contre, celui-là, on va se faire avoir. Ouais. Jab dans le shield, boum. Instantané. Jab dans le shield, boum, tu prends la classe. Ça s'est pas fait attendre. Oh, le fer 2 qui va pas connecter, c'est un peu dommage. On aurait eu une bonne situation. À la place, on va se prendre un double PR et une phase d'avantage un peu sévère. Aïe, aïe. On va se faire punir ce B par un grand backer out of shield. Ok, Naskino, on a la roll. Naskino, frère, il en peut plus. Il est en train de trouver des trucs de fou furieux. Encore dans nerf, Couper tout, couper le stream. Mais frère, casque. Oh, il donne pas de chance à son adversaire, c'est ouf. Tu sais que la step d'avant là, elle est partie sur combien de coups? 5. C'est bon. Tu les as comptés? C'est une dinguerie. Et tous ces coups, ils mettent 20% aussi à ce perso là. Ah là là, c'est dur. On a de nouveau la situation très propre pour Naskino, très avantageuse avec les 3 stocks potentiellement d'infliger à son adversaire. C'est un truc de fou. Il est en train de faire un boulot monstre. Il est en train de faire un truc de ça. C'est pas fini. C'est
c'est pas fini. C'est pas fini. Et la finition, malheureusement, qui va se faire louper par alors, fois, c'est fini. Voilà, Daskino qui vient juste terminer cette jeu. Il a plié le tournoi. C'est un 3 stock là. Mais c'est un 3 stock. C'est un 3 stock en last game. Oui, il s'est fait avoir. Je sais plus, frère, mais c'est une dinguerie. Je sais plus s'il s'est fait avoir sur la last stock avec. Mais je crois même pas.